Let's go. J'ai quand même envie de mettre un peu de gloss. Comme toujours, on ne fera pas attention à mes ongles, on ne fera pas attention à mes petits boutons que je commence à avoir vu que je vais avoir mes règles. Tout le monde s'en fout, mais voilà. Et du coup, bah, c'est parti, on y va. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Kira Kari. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien en ces temps de confinement. On y voit le bout, c'est bientôt la fin. On garde courage. C'est bientôt fini. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un haul. Parce que durant ce confinement, on n'avait pas mieux à faire que faire du shopping. Qu'on soit clair, net et précis, on se cache rien. Ce gloss, il a un effet... Ah oui, je sens pulping. C'est un gloss de chez Essence si ça vous intéresse. Enfin bref, on s'en fout. On se retrouve pour faire une vidéo haul. Big haul. Très 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 big haul. Big haul. Il n'y a pas mieux à faire que de traîner sur les sites. Que de traîner sur, comme moi, Chine, PLT, etc. Et de bien évidemment craquer. Là, je vais principalement vous montrer les achats que j'ai... Achats que j'ai fait, principalement les vêtements, parce que j'ai aussi acheté beaucoup de make-up comme Make-up Révolution. La prochaine vidéo, ça sera un full face Make-up Révolution, donc restez branchés. J'ai fait des achats pour mes ongles qui ne sont toujours pas faits, mais j'attends ma commande. J'ai fait énormément d'achats, donc là, ça va vraiment être que les vêtements. C'est parti. On va commencer chez PLT. J'ai pris. Je rigole parce que j'ai abusé. J'ai pris 3 paires de chaussures, comme si j'en avais pas déjà assez. La première, je voulais vraiment une paire de chaussures blanches. Vas-y, toutes mes potes, elles m'ont matrixé, les chaussures blanches pour cet été, nanani. Donc, j'avoue que j'ai pris 7 pépites. J'arrive, je viens de postiner, c'est dégueulasse. Le blanc de la caméra, c'est assez compliqué à montrer, mais voilà, elles sont comme ça. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, les prix, etc. Et les articles, je vous montre, ils sont morts. Qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? Les articles sont montrés, portés. Voilà. Donc, première paire de chaussures blanches, comme ça, hyper simple. Moi, je suis une fille qui porte pas de talons aiguilles. Donc, l'alternative, c'est les talons comme ça, carrés, ou bien les gros talons carrés que je vais vous montrer juste après. Donc voilà, donc une paire blanche pour l'été, ça, ça passe avec tout. Et ensuite, j'ai pris cette petite paire de talons-là. Ah, purée, c'est pas possible, purée, je déteste ça, bref. Cette petite paire de talons-là, comme ça, en croco, façon, couleur bordeaux, elles sont magnifiques. Très, très confortables, j'ai déjà porté, la lanière ne me fait pas mal aux pieds. Donc c'est super, elles n'étaient pas très chères, je crois, c'était à 18 €, quelque chose comme ça. Donc, vraiment très abordable. Et ensuite, franchement, je suis choquée un peu de la qualité des talons de chez PLT. Les blanches, elles m'ont coûté 22 €, je crois. Ensuite, j'ai pris exactement les mêmes, mais cette fois-ci en noir brillant comme ça. Parce que voilà, ça, c'est vraiment un basique à avoir dans sa garde-robe. Une paire de talons noirs comme ça qui va avec tout, tout, tout. Noir brillant ou noir mat ou noir. Enfin, une paire de talons noirs, quoi. C'est vraiment la base, quoi. Donc voilà pour les chaussures. Toujours chez PLT, j'ai pris 3 vêtements. Parce que moi, je suis le genre de fille, quand je commande, j'aime pas commander un truc, tu vois. Genre, je suis toujours dans l'abus, toujours dans l'excès. Donc, j'ai pris un cycliste comme ceci en taille 36. Tous mes vêtements, c'est du 36 ou du S. Parce que j'ai un peu perdu du poids, je vous l'admets. Du coup, maintenant, je fais du 36. Du coup, un cycliste comme ça, parce que l'été, moi, je porte que ça. Celui-là, je vous montrerai pas porter parce qu'il est assez transparent. Et ça me saoule, donc il va falloir que j'en recommande un autre. Lui, je vais le mettre avec un long t-shirt ou quelque chose comme ça. Mais j'aime bien mettre ça avec un petit crop top, des grosses boots, tu vois. Sauf que là, vu qu'il est transparent, bah, je pourrais pas. Ensuite, j'ai pris ce pantalon-là large. Vous verrez porter, je l'ai porté avec un body que j'avais acheté chez Zara. Je l'ai acheté exprès pour mettre avec le body. Genre, je suis trop ce genre de fille. Genre, j'achète un pantalon, par exemple, juste pour qu'il aille avec un haut. Donc, il est kaki comme ça. Hyper, la matière elle est très 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 confortable et très légère. Voilà, il descend bien bien bas. Pour les filles qui sont grandes, c'est un bon pantalon. Moi, il faut absolument que je mette des talons, sinon ça traîne un peu par terre. Mais ce pantalon, il est vraiment magnifique.
Ensuite, dernier article de chez PLT, cette chemise. Alors, elle est à 9 euros. Je l'ai prise parce qu'elle est à 9 euros. Je sais clairement pas quand est-ce que je vais porter cette robe. On se le dise clairement entre nous. Je pense même ne jamais la porter. Donc, c'est une couleur blanche. Donc, vous allez voir porter parce que là, en caméra, ça ressort très très mal. Mais voilà, elle est comme ceci. Voilà, les manches, elles sont comme ça. En fait, c'est une chemise plissée ici. Purée, à la caméra, je vous ai dit, ça passe grave mal. Vous le verrez porter, de toute façon, la matière, elle est très, très... Enfin, c'est une très, très bonne matière. Elle sert bien, etc. La taille, tout ça, ça marque bien. Maintenant, comme je vous ai dit, je sais pas quand est-ce que je mets ça. Hein. Donc, j'ai pris ça en taille 36. Oui, 36. Et, bah, voilà. Voilà pour cette chemise. Maintenant, on passe à Shein. Alors, Shein, j'ai fait un gros craquage. Très, très gros craquage. J'en perds même mes mots. Très, très gros craquage. Clairement, pour vous dire, c'est arrivé dans un carton comme ça. Genre, big le truc. Donc, on va commencer tout de suite. J'ai pris un peu de tout pour tester parce que je connais pas vraiment la marque Shein. J'ai appris à la connaître avec cette commande et j'avoue, j'admets que j'aime beaucoup. Le rideau est très gênant, genre. Donc, en premier lieu, ça, je vais tellement porter ça cet été. C'est une combi comme ça, short. Elle moule très bien, j'ai pris en taille S, pas trop transparente, assez épais comme matière. Mais ça, tu mets ça avec une petite paire de Air Force, une petite veste en jean. T'es habillée, quoi. Vraiment, cette petite combi là pour cet été, je pense même en commander dans d'autres couleurs parce que franchement, ça c'est vraiment un basique que j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, beaucoup quoi. Ensuite, j'ai pris un petit jean parce que vas-y, j'avais envie de tester les jeans de chez Shein. Je suis le genre de fille à mettre beaucoup de jeans mom, etc. Sauf que bon, ça va jamais. À la taille, c'est trop grand. Aux cuisses, c'est trop serré. Enfin, voilà, c'est assez chiant. Là, bizarrement, la taille, c'est bien. Les cuisses, c'est légèrement serré, mais pas plus que ça. Et c'est du 36. Donc, je suis assez surprise. La qualité, elle est vraiment bien. Le jean, il est vraiment bien. Comme je vous ai dit, c'est un jean mom, comme ça. Bon, assez destroy. Taille haute. Et il taille vraiment bien. Vous verrez porter, de toute façon, à la taille, c'est vraiment bien. Une bonne qualité, une bonne matière. Maintenant, il faut le laver parce que quand je l'ai reçu, là, l'odeur, c'était pas trop ça. Mais franchement, ce jean, je valide. Un article où je suis très déçue, mais bon, voilà, généralement en fait j'achète mes hauts en magasin, c'est-à-dire Zara, H&M, etc. Enfin voilà, là j'ai voulu essayer parce que sur le genre de site que ce soit PLT, Shein, etc., je suis le genre de fille à commander que des robes ou des pantalons, mais les hauts, je me dis bon, je trouve ça partout quoi. Et là j'ai voulu tester un haut et je pense que je retesterai pas parce que la qualité j'aime pas du tout, le col va savoir. Il est transparent, je comprends pas ce t-shirt, je le comprends absolument pas. Donc il est transparent en plus pour couronner le tout. Donc je vous recommande pas de commander des hauts, en tout cas, je sais pas, non, flemme en fait, des hauts, des sites chinois, etc. Vraiment concentrez-vous sur les robes, les pantalons, etc. Des trucs voilà, que les hauts vous en trouvez partout. On passe aux robes, ma partie préférée, parce que comme je vous ai dit, je porte que des robes l'été. Et là, j'ai pris 5 robes, non, 4 robes, trop 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 belles, vous allez les voir porter encore une fois. Celle-là, c'est ma préférée, ma favorite. Elle se présente comme ceci, le col est juste magnifique, les manches, elles sont juste magnifiques, la qualité est juste magnifique, ça fait beaucoup de magnifique dans une seule phrase, mais je pèse mes mots. Elle est comme ceci, ici elle est très cintrée, elle est très serrée, il y a des petits volants, alors c'est compliqué là, vous verrez porter de toute façon, mais elle est très... il y a des petits volants en bas, elle est serrée au niveau des hanches, elle est vraiment très très belle, j'ai pris toujours en taille S, les détails un peu en petit pois comme ça, ça c'est grave mon style de vêtements, donc voilà, pour un petit mariage ou une petite soirée l'été,
Ça, c'est parfait. J'aime vraiment beaucoup cette petite robe. Ensuite, je vais juste vous montrer les deux maillots de bain que j'ai pris. Parce que je voulais tester les maillots de bain de Shein. Je vous les montre pas portés quand même. Tout de même, on se calme. Je vous montre juste sur le mannequin ce que ça donne. En fait, ça se présente comme ça. Comme ceci. C'est dos nu. Et en fait, vous avez des longues lanières. C'est-à-dire que tu fais le maillot de bain que tu veux avec les lanières. Je perds ma voix. Tu l'attaches derrière, autour de ton dos. Enfin, en fait, avec un maillot de bain, tu peux en faire 2-3. Enfin, 2-3 maillots de bain différents, en fait. Donc, j'en ai pris un blanc. Parce que tu connais les métis, l'été. Ouh, sucré caramel. Avec un petit teint bien bronzé. Tu mets un petit maillot de bain blanc. Ma chérie, on remarquait que toi. Ensuite, du coup, j'ai pris exactement le même, mais cette fois-ci en rouge, parce que j'aime beaucoup le rouge. Et je trouve que ça me va bien au teint, donc je l'ai pris le même en rouge. Voilà pour les maillots de bain. Une autre robe blanche cette fois-ci, celle-là. C'est un très, 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 très grand coup de cœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Franchement, la qualité, je suis vraiment très, très, très surprise. Vraiment très surprise. Bon, j'arrive pas à l'attacher. Enfin bref, donc elle se présente comme ceci, légèrement transparente. Donc toutes les robes que vous voyez porter, j'ai porté la combi short en dessous. Donc les manches pareil un petit peu que l'autre, la matière pareil que l'autre, mais le col différent comme ceci et le bas aussi différent comme ceci. Il y a un bas un peu plissé, toujours centré au niveau des hanches. Ça épouse bien votre corps. Les petits volants ici, toujours. Madame, en fait, je crois que je suis madame à volant, genre. J'aime vraiment trop les volants, c'est une dinguerie. Du coup, voilà pour cette robe, vraiment très très gros coup de cœur. La qualité, franchement, c'est une très très bonne qualité. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, une autre robe. Celle-là, je suis moins fan. Mais bon, je pense quand même la porter. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette robe, c'est le col carré comme ceci, avec les manches transparentes, comme là. Et en fait, c'est une petite robe un peu printanière, tu vois. Il y a des petits détails ici, en cordelette satinée. Et voilà, le dos un peu nu. Vous la verrez porter, c'est beaucoup mieux porté. Mais voilà, je suis moins fan de cette robe-là. Je vais la porter, mais un peu moins fan. Quand vous commandez ces signes, ça se présente dans des petits sacs comme ça. Hop. Ça, c'est une autre robe blanche. Trop belle. Celle-là, j'aime beaucoup trop. Ça, c'est sûr que je vais la saigner cet été. Petit col, toujours. C'est dur à montrer le blanc en caméra. Petit col comme ça. On ne voit pas. Elle est comme ceci, la robe, très très légère, les petites manches comme ça, tout en transparence, avec des petits points, avec ce petit détail comme ça, voilà. Celle-là, elle est un peu transparente, mais comme je vous ai dit, je mets toujours, moi personnellement, je mets toujours des shorts sous mes robes, ou je mets toujours des, comment ça s'appelle, des leggings. Non, des cyclistes sous mes robes. J'en ai des cyclistes blancs, donc ça devrait aller. Cette robe, elle est vraiment belle, de très bonne qualité. Toujours les... Enfin, ils font vraiment des robes de bonne qualité. Toujours en S. Et cette robe, je l'aime vraiment trop. Genre cet été avec une petite paire de sandales ou... canon. Canon, clairement. Ensuite, dernier article. Oui, dernier article, c'est... Oh, cet article. Cet article, c'est un blazer lila. Alors, je suis une fille qui porte énormément de blazers aussi. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait très, très, très féminin. Ça donne tout de suite un peu plus confiance en toi. Genre le fait que ça soit un peu épaulé, très... Comment dire? Très carré, en fait. Ça, moi, je sais pas. Je trouve que ça fait prendre confiance en toi parce que on dirait que t'es beaucoup plus femme, beaucoup plus... Tu vois? Carré, carré dans ta vie, carré dans ta tête, carré dans tes vêtements. Donc j'aime beaucoup, beaucoup ce style de vêtements là. Du coup, la qualité, elle est bien. J'ai connu mieux. Mais elle est quand même bien. La couleur, c'est une couleur lila comme ceci. Elle est assez longue, donc voilà. Assez longue, mais assez courte à la fois. Enfin, c'est compliqué à expliquer. Genre, c'est long, mais
Tu peux pas mettre ça en robe, genre. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, les boutons. Moi, je kiffe quand les boutons sont de la même couleur que la veste. Parce que des fois, vous voyez, il y a des boutons d'autres couleurs. Moi, j'aime pas. Je trouve que c'est pas harmonieux, tu vois. Et en fait, ce que j'ai vraiment aimé dans ce blazer, c'est la couleur, quoi. J'ai pas du tout de couleur comme ça. Tu vois, tu mets ça cet été avec la petite combi. Et je vais mettre ma combi tous les jours, j'ai l'impression. La combi short au même. Bon, moi, je sais que je suis pas trop dérangée par les robes courtes. Maintenant, c'est... T'aimes pas trop si t'as, enfin, les robes courtes, pas non plus ras les fesses, mais voilà. Toujours mettre un short en dessous. En fait, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça que j'arrive à mettre des robes courtes, parce que je sais que j'ai un short en dessous, tu vois. Donc, s'il m'arrive quoi que ce soit comme petit souci, je m'en fous un peu, j'ai un short, tu vois. Donc, toujours par sécurité. Voilà, voilà. Oh mon dieu, la pile de vêtements. Bon, voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon petit moment. Tous les liens sont en barre d'infos, les vêtements que vous avez vus là, je vais les porter et faire des photos, des looks que je vais poster sur Instagram. Donc je vous laisse me suivre sur Instagram que je mets juste ici, mon Snap juste ici, parce que comme je vous ai dit, j'ai un petit groupe sur Snapchat de filles avec qui j'échange beaucoup, on discute beaucoup, je poste souvent des conseils, etc. Donc si tu veux me rejoindre, ajoute-moi ici, je t'ajouterai dans ce groupe-là. Je te laisse mettre un pouce en l'air, t'abonner. Sur ce, je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine.